Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le lundi 19 octobre 2020, 22h57, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'ai trouvé une nouvelle vraiment inquiétante sur le Jerusalem Post. 20% des patients infectés par le coronavirus n'ont pas développé d'immunité. C'est pas une bonne nouvelle. 19 octobre 2020, par Mayan Jaff Hoffman du Jerusalem Post. Seuls 80% des personnes testées positives pour le coronavirus avaient des anticorps contre le virus, selon un rapport publié lundi par le Bureau central des statistiques, le ministère de la Santé et l'Institut Gertner. Les résultats signifient qu'un pourcentage de personnes qui développent des cas asymptomatiques ou même bénins de virus pourraient le contracter à nouveau. Wow! Le rapport a été basé sur une enquête sérologique menée en juin et en août dans la communauté Haredi ultra-orthodoxe de Bnei Brak, la ville où l'un des taux d'infection a été le plus élevé au pays, en Israël. L'enquête a également révélé que le nombre de personnes testées positives pour les anticorps augmentait avec le nombre de patients malades, ce qui n'était pas proportionnel. En juin, 2% de la population Bnei Brak ont été testés positifs et 6,3% avaient des anticorps. En juillet, 4,1% ont été testés positifs et 6,4% avaient des anticorps. Et en août, 5,6% étaient positifs et 13,8% avaient des anticorps en moyenne. Au moment de la conclusion de la recherche, environ 9% de la population de Bnei Brak était immunisée contre le virus. Le taux d'infection est loin d'être suffisant pour garantir l'immunité du troupeau, a déclaré le Dr Boaz Lev, l'ombudsman des professions médicales au ministère de la Santé. S'exprimant lors d'un briefing lundi, il a déclaré que les résultats montrent que même dans les communautés où le taux d'infection était élevé, l'éloignement social et le port de masque restaient importants. Les chercheurs ont déclaré que Bnei Brak avait probablement un niveau d'immunité plus élevé aujourd'hui, mais ils ne pouvaient pas dire à quel point. L'enquête a également révélé des résultats pertinents supplémentaires tels que les personnes dont la famille est plus nombreuse étaient plus susceptibles de se propager ou de propager le virus dans les familles de 8 personnes ou plus avec au moins un patient vérifié. 11,2% des membres avaient des anticorps, ce qui signifie qu'ils avaient contracté le virus. Le nombre de familles plus petites n'était que de 7,9%. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment intéressant, mais inquiétant. 20% des patients n'ont pas développé d'immunité. Wow!